vous savez quoi? Les diables en profitent. Les lois de Sarah passent. Les pasteurs règlent le compte à la télé. Les gens qu'on pouvait prendre comme des modèles. Dans le thème. À l'époque, ils avaient des modèles, des Adinabana, des apôtres de l'onction qui ont parti, mais qui ont laissé des bons témoignages. Mais à notre temps, n'avons pas commis de retour comme un pasteur modèle. Tout ce qu'on avait comme des modèles, des préfets, soi-disant des disciplines, les lois va contre la polygamie, les lois va contre la corruption. Et les lois, c'est eux qui achètent les télés, entre guillemets, pour régler les comptes au lieu de propager l'évangile de la croix. Et aujourd'hui, on vient de commencer à arrêter les escrocs. On dit qu'il soit un païen, mais un pasteur élevé, renommé, mais maintenant on veut ça dans la terre, la bête ma boko. Et les plus faibles tombent encore davantage. Où est l'église? Et ce qui est mal, même si notre frère est tombé, il est dans l'erreur. Je regrette, mais je prie pour lui. Mais tu entends des pasteurs. Là, j'étais écœuré. J'étais sur la ligne. Le premier jour qu'on a mis cette vidéo sur le net, un pasteur m'a envoyé le message. Thomas, au moins, il n'y a pas de papa, Bakani est commis. Tchakou. Tchakou. Soutenir mon comité comme est catholique. Amen. Oui, qui a été. Amen. Amen. Moi, je croyais que l'église allait se mettre ensemble et prier pour que Dieu délivre notre frère. La Bible dit lorsque le mur s'écroule, que feront les chrétiens? Il peut pas me sauver qu'il se lance qui? Au Tcholi, il peut être vrai à ça dans l'air. Mais le bas, a un pasteur à terre qui évangile, à un membre de la famille dans la mission. C'est-à-dire, son nom est un mission. À moins que tu ne sois pas chrétien, que tu sois musulman ou que tu sois bouddhiste, mais si tu es chrétien. Amen. Amen. Vous verrez un païen comme ce général, c'est ce qu'il a. À Gomo Simba, Moutonanzambe, papa, t'as sa libéré, papa. Banga, t'as un showana. Mais Bassaï Anzambe, où sommes-nous aujourd'hui? On devrait être derrière notre frère pour dire oui, il a fait l'erreur, mais on le soutient. On le pardonne. Papa, il y a Sali Bazouye. On va s'apprendre en boca, Bassala, Bassala, Bamona, Bamotoyebi. Moussoutozo, qui a pendu, moi, si la télé, n'a pas eu pour moi, ça, c'est le coco. En bas, moi, si Moussou, mais l'autre, va sauver moi, si moi, à sauver les gars pour le frère, si pas sauver les pardon, c'est que ma zone. Quelle bêtise la télé! Mais vous voulez que la télé obéta moninga, obéta moninga. N'avez aucun pas si la montée. Église, reste au milieu. Amen. Jésus a dit Pierre dans les erreurs. Pierre était un homme des erreurs. Mais quand Jésus a dit les erreurs de Pierre, Pierre n'a pas donné les slogans. Pierre n'a pas acclamé. Non, Jésus n'a pas. Il a dit Pierre, Pierre. J'ai vu Satan te réclamer pour t'écraser comme un froment. Mais ce que je fais, je prie pour toi. Amen. Jésus n'a pas monté sur la télé pour dire oh Pierre, Moutamasumu, Pierre Wandoki, d'ailleurs la Moutoukaraki, n'a l'autre n'a monté ça quand vous ne pouvez pas écraser. Mais non, Jésus a récupéré Pierre, a dit Pierre, j'ai mis Satan, te réclamer pour t'écraser comme un fromage. Mais j'ai prié pour toi. Amen. Acclamez. Peut-être un message aux raisons de Kélaïo, parce que dans l'église, il y a un message qui est un matin à la démon. Matin à la mari de lui. Un message qui va imiter la foi et la prière des assoutes à l'église. J'étais hier quelque part, je disais, vous savez, les chrétiens sont prêts à croire à la présence des démons qu'à la présence de Dieu. Le bar, il y a un démon, mon roi. Frère, quel moment il y a un sauté. Le bar, il y a un démon, frère, il y a un démon, il y a un démon. Tout le monde commence à être ici. Pas moi suspecté. Mais dis simplement que je sens la gloire de Dieu ici. Nous tous sommes par la gloire à moi. Les gens sont prêts à croire plus à la présence des diables qu'à la présence de Dieu. Pourquoi? La mentalité de l'église est devenue. Comment dirais-je?
Où est limité à l'église? Si les miracles s'est passé, c'est parce que bien les gens, ils étaient unis. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose. La deuxième des choses, la Bible dit, c'était la prière. Et quand je vais m'arrêter sur l'heure de toi et marche, c'est pour dire que lorsque Pierre arrive, il a vu la position de ses boîtes. Il dit, ce soir, ta position doit être changée. Quelqu'un peut aller changer sa position ce soir? Amen. Change plus ta position, change plus ta position. Papa, vous savez, dans la vie, il arrive des fois, on peut y arriver à dire, trop c'est trop, c'est maintenant ou jamais. Amen. Amen. Lisons un verset, je vais continuer. Il me reste 10 minutes et nous allons prier. Lisez avec moi. Ésaïe chapitre 61. Un bon lecteur peut se lever pour lire. Merci pour le respect de la parole. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la mission de Jésus sur la terre, la mission de Christ sur la terre, était que pour le salut des âmes, pour la liberté des prisonniers et la délivrance aux captifs. Quand Jésus faisait cette lecture, c'était la première lecture de Jésus dans la synagogue. Jésus commença son ministère, son mandat ministériel à l'âge de 30 ans. Et il va achever son ministère à 33 ans. Jésus l'a fait, écoute-moi. Et en Israël, il y avait un système de rouleaux. La Bible, avant qu'elle soit canonisée, la Bible était dans une forme de rouleaux. Il y a un rouleau. Et on vous donne les rouleaux et vous allez tourner les rouleaux pour lire le passage que Dieu a donné pour la lecture. Mais qu'est-ce que la Bible va dire? La Bible dira, ce jour-là, Jésus, quand il rentre dans la synagogue, on lui remet un rouleau. Et quand il prend le rouleau, il va dérouler, il va tomber sur le passage du grand prophète appelé Ésaïe. Or, le message que Jésus va lire, c'était le message messianique. Ça veut dire, le message concernait le Messie. Amen. Il concernait lui-même. Amen. Il va prendre les rouleaux. C'est comme si Jésus va définir. Il va présenter son mandat au peuple, au monde. Et écouter le mandat de Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a voué pour... Amen. Les gens, ils ont déformé l'évangile. On pose la question à un pasteur, dis-nous qu'est-ce que l'onction? Il dit l'onction est là pour donner, pour récupérer de l'argent, pour avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est l'onction. Les gens croient que l'onction, c'est pour faire tomber les gens. Non, l'onction, elle n'est pas là pour ça. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. D'accord? Il rajoute, il dit, il m'a moué pour. C'est-à-dire, quand on dit pour, on commence à donner les raisons par lesquelles Jésus était moué. On n'a pas dit, il m'a moué pour ramasser de l'argent. Il n'a pas dit, il m'a moué pour faire tomber les gens. Il n'a pas dit, il m'a moué pour prendre plusieurs femmes. Il n'a pas dit, il m'a moué pour séduire les gens. Non. Mais
Mais il m'a dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Je m'attendais à quelqu'un qui avait très fort de moi. Quand l'esprit de Dieu te ouait, c'est pour des mandats. Quand l'esprit de Dieu te ouait, c'est pour une mission. Quand l'esprit de Dieu te ouait, c'est pour effectuer un mandat que Dieu t'a donné. Amen. Mais dis, l'esprit du Seigneur m'a ouait pour libérer les captifs. C'est-à-dire quoi? Dans la mission de Jésus, Dieu n'est pas d'accord lorsque quelqu'un dans sa famille est condamné. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. C'est que Jésus, sa mission n'a pas de fait. C'est que la mission de Jésus n'a pas de sens. D'accord? Amen. Parce que dans la mission, nous avons entendu la semaine passée, Dieu ne travaille jamais avec les prisonniers. Amen. On ne parle pas des prisonniers charnels. On parle des prisonniers spirituels. Amen. Raison pour laquelle tu ne peux pas avancer dans l'œuvre de Dieu aussi longtemps que tu resteras prisonnier. Il y a besoin de ma campagne. Mais ne viens pas dans un état pour la terre. Non pas parce que ça ne règle pas, ça ne peut pas marcher. Non, parce que beaucoup sont encore des prisonniers spirituels. Aux autres ressemblent la terre, aux autres prisonniers. La vie de prière, c'est de l'essence, c'est du carburant dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Et lorsqu'une voiture, même si elle est neuve, mais quand il n'y a pas de carburant, papa, au côté de mon autoroute. N'a cayenne n'a yogo qu'à sonner. Yo, son cayenne, ça coûte 50 000 euros, et mais tu n'es pas capable de mettre un plein de 100 euros. Je comprends pas, je suis capable de cayenne. Parce que tu n'as pas de carburant. Quelle honte! Mais c'est un enfant de Dieu. Je me demande comment tu fais, comment tu réussis. Olido réussit. Olido yéma, papa, papa, papa. Oh, David, il chantait, les esprits mauvais quittaient le corps de Saül. Yomou, les amas, maman, mongongo. Les amas, maman, et pas pour l'ami. Aïe, 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 aïe. Papa, ton Dieu c'est l'union. Amen, une cour de moi au bimaté. Mais n'a la voix n'a pas au caouka. N'a pas de long coup. Les hommes à Kamouya Kunga, les hommes à Kamouya et Pakola. Je veux que mon disque, mon CD puisse avoir des promos. Papa, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de promos sans onction. Vous avez partout, vous avez cartonné. Vous avez le rôle à l'un ou l'autre. Vous avez le rôle à l'un ou l'autre. Papa, ça va tout m'abonner. C'est d'abord des hommes de Dieu après des chanteurs. Yo, voyez, quand on a fait un colon de sang, il y a un maître de soi. Il y a un bon imaginaire pour vous. Nous avons dénoncé ma parole. L'homme a mal. Il y a un moment où il m'a dit que c'est comme si papa m'a dit qu'il y a un souci. Tu peux limiter ma vente. Pourquoi? Il fallait que tu dises que l'autre côté pour toi, dans ma vie. Papa n'a changé style à l'église. Ma parole, il y a un peu adoration. Il y a la mission de ton vie. C'est quoi? Aujourd'hui, on doit récupérer. Papa, il y a mon livre à faire. Papa, Fali, pour ne pas gagner. Tu es la petite danse à moi, mais au camp. Vamos, frère. Tiens, mon mot. Parce que la rabouche, on va faire la chose qui est toujours dans le tien pour moi.